Expliquez-moi. Expliquez-moi. Je te commande. Expliquez-moi. Je t'entends. Dans le nom de Jésus. Lâche-la. Tu vas la libérer. N'ayez pas peur, c'est comme ça. On attend le Seigneur. Au temps de la délivrance. Dis amen. Amen. Ici, c'est comme ça. Dis à quelqu'un, c'est comme ça ici. C'est comme ça ici. Tu es possédé, il va se manifester. Dis amen. Amen. C'est comme ça. Je ne sais pas où on va, là, à l'église, tout est sort, sort, on prie le Seigneur, il est merveilleux. Tout le monde sort. Avec les possédés. Non, tu es un démon. C'est ce qu'on appelle quelqu'un qui a un onction. Quand tu as l'onction de Dieu, quand les gens sont possédés, l'esprit doit se manifester. Tu vas partir de sa vie. Tu vas partir de sa vie. Dans le nom de Jésus. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Quitte sa vie. Lâche-la. Hé! Feu! Arrêtez! Feu! 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 Allez! Feu! Lâche-la. Oui, va-t'en. Va-t'en. Comment? Allez! Tu vas partir. C'est un ordre. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Va-t'en. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Maintenant, là. Tu dégages de ça. Tu vas. Va-t'en. Va. Sors. Voilà la sirène des eaux. La sirène des eaux. Comme ça. Lâche-la. Voilà, va-t'en. L'esprit mauvais des eaux. Lâche-la. Au nom de Jésus. Lâche-la. Tu pars maintenant. Lâche-la. Tu libères sa vie dans le nom de Jésus. Tu libères sa vie au nom de Jésus. Va-t'en. Tu vas la libérer. Je t'arrache son art. Tu m'attends? 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Voilà, lâche-la. Jésus a tant aimé le monde, il a donné son fils. Vous savez quel esprit se manifeste? Hein? Jésus a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Qu'est-ce que l'esprit veut dire? A tant aimé le monde. Hein?
Non, c'est un esprit de distraction. Non, je suis en train de vous enseigner la délivrance. C'est un esprit de distraction. On attend de le chasser. Lui dit Dieu aimait le monde. Qu'est-ce que nous avons à ça? Nous, on sait ça. Ou bien, ce verset-là, nous, on connaît ça ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui se passe? Dieu a tant aimé le monde, toi, tu as terre. Ou bien, Dieu a tant aimé le monde, il veut nous dire ça, ah, non? C'est, non, l'esprit-là, c'est un esprit de Dieu. Non, ce n'est pas un esprit de Dieu. C'est un esprit de distraction qui se passe. Là, l'esprit veut nous permettre pour nous savoir. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Nous, on connaît, ou bien? Jean 3, le verset. C'est ça, ils ont connu ça. C'est pour ça que faites très attention à le discernement. Parce que l'esprit va vous distraire. Ça, c'est une distraction. Nous, on a les chassés, on a dit Dieu aimait le monde. Qu'est-ce qu'on a voir ça? Tu veux évangéliser? Qu'est-ce que c'est pas ça? C'est pas qu'il a aimé le monde qu'on a accepté Jésus. On est chrétien. On n'a pas besoin de ce verset. Toi, tu es à terre. Mon ami, il faut sortir. Il y a quelqu'un, il faut sortir. Alléluia. C'est pas Jean 3, verset 3, verset. Ouais, c'est pour ça qu'il faut avoir le discernement. Tout ce qui est non, c'est l'esprit de Dieu. Le verset, le diable connaît la Bible. Dis amen. Amen. On est le verset biblique. C'est ça qui fait très attention. Ne vous laissez pas distraire. L'esprit a voulu créer une distraction. Comme l'esprit se sent affaibli, va créer une distraction pour nous amener à dire non, ça va. Oh, c'est un esprit de possédé. Il y a un esprit de mort. Il y a l'esprit des eaux, de la sirène en mer. Vous comprenez? Et puis en derrière ça, j'ai un esprit de la sorcellerie, l'initiation à la sorcellerie. Voilà, donc l'esprit a déjà possédé. Ils ont déjà vendu son âme des eaux. Ils sont en train de maintenant l'incarner dans l'esprit de la sorcellerie. Tu dois initier plutôt. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer. Si. Va-t'en. Qui es-tu? Non. Vous comprenez? Maintenant c'est clair, non? Oui. Waouh! Je suis un peu acclamé le Seigneur. Maintenant c'est clair. L'Esprit dit, nous ne pouvons pas partir. Maintenant, Jean 3, verset 16, la mienne, c'était pour quoi? C'était pour quoi? Vous l'avez quoi? Épousé. Vous l'avez épousé? Oui. Depuis quand? C'est ma femme. Depuis quand? Depuis le ventre. De d'où? Le ventre de sa mère. Et vous venez d'où? Burkina Faso. Ah, c'est là-bas que vous êtes. Où est Burkina Faso? Je suis ici. Au Burkina. Quel village au Burkina? Pouessé. Hein? Pouessé. Quoi? Pouessé. Vous avez entendu? Hein? Pouessé. Où est-ce? Stéphane, t'as entendu ça? Et le mariage s'est passé comment? Césarien, grand-parent, possédait un canari qui se nourrissait de sang humain. Nous avons soif de sang et nous voulons la prendre. Pourquoi elle est venue ici? C'est ça? Pourquoi elle est venue ici? Et qu'est-ce nous avons soif! Soif de sang! Soif de sang humain! Ça dit, si tu n'as pas la foi, tu fuis en même temps. Oui. L'esprit dit, nous avons soif de sang. C'est pour ça que tu veux voir. L'esprit dit, il veut voir tout ça. De sang humain. C'est pour ça qu'il faut avoir. Il faut cette assurance que tu es enfant de Dieu. L'Esprit du Seigneur rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. D'accord? Ce principe, on est enfant de Dieu. Donc, tout ce que le diable fait ne doit pas nous effrayer. D'accord? On est enfant de Dieu. Ça ne dépend pas de nous. Cela vient de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Ça ne dépend pas de ce que tu es ou de ce que tu avais fait auparavant. Tu es enfant de Dieu. Sur ce principe-là, il faut plus croire les promesses de Dieu sur ta vie. Luc 10, verset 19 nous dit, Dieu, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et si toute la puissance du diable, rien ne pourra. Donc, si un cas comme ça vous arrive à la maison, que le diable dit, je vais boire du sang humain.
Je veux boire le sang humain. Je veux boire. Tu lui demandes quel sang tu veux boire. Parce qu'il ne peut pas boire ton sang. Amen. Amen. Tu es enfant de Dieu, Jésus habite en toi. Dis amen. Amen. Il ne pourra pas boire ton sang. Dis amen. Amen. Alléluia. C'est cela que chercher, être dans la présence de Dieu, chercher à marcher selon Dieu. Amen. Si vous marchez selon Dieu, le diable ne pourra rien contre vous. Amen. On dit amen. Amen. Tu vas partir. Sans là, tu ne vas pas boire ça aujourd'hui. Tu m'attends? Tu m'attends? Tu m'attends? Le même esprit se manifeste de l'autre côté. C'est sa femme? Vous la connaissez? C'est ma mère. Elle dit c'est sa femme. Hein? Ils se connaissent. Vous comprenez? Vous voyez comment le Saint-Esprit me parle? Que le même esprit se manifeste là. Vous voyez, pendant que tu parlais avec elle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, le même esprit est en train de se manifester à côté. Pourquoi le ministère de délivrance est utile et important? Hey! Je vous levez la main là. Asseyez-vous. On dit amen. Amen. Voilà. Mettez-vous là. Mettez-la devant. Mettez-la devant. Sauf que pendant que vous êtes en train de délivrer, donc demandez au Seigneur de vous donner le discernement. Pendant que l'esprit s'est manifesté, je sentais que l'esprit quittait là, partait en elle, et l'esprit, voilà, l'esprit quittait et allait dans la dame, l'esprit, la puissance de Dieu. Je vous informe que l'esprit ne rentrera pas dans votre temps. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut quand même Jésus-Christ de ça? Si Dieu a permis qu'elle soit ici, c'est pour sa délivrance. Dis amen. Alléluia. Tu vas partir. Tu m'attends? Tu vas partir. Tu m'attends? Tu m'attends? Voilà, va-t'en. Va-t'en. Va. Vous voyez comment le ministère de délivrance est important? Amen. Ils sont à l'église, on prêche la parole de Dieu. Ils ont des esprits. Vous comprenez? Elles ont marché, sont venues. Dans leur vie, de chaque jour, il y a des démons. Si les démons ne partent pas de leur vie, elles seront bonnes à l'église, mais vont tourner en rond. Parce qu'elles sont contrôlées par les esprits. Vous comprenez très bien? C'est ça que par moment, il faut nécessairement passer par la délivrance. C'est ça que dans cette église, j'ai commencé d'abord par vous enseigner l'important de se faire délivrer. Parce que par moment, tu as des réactions que tu poses. Tu as la manière de faire. Toi-même, tu es convaincu que c'est pas normal. Après, tu poses un acte, tu regrettes. Tu recommences encore la même chose. Tu comprends que non, ce que tu fais là, j'ai un esprit derrière. Il faut te faire délivrer. Tu vas partir d'elle et la libérer. Tu m'attends? Tu m'attends? C'est encore une distraction, vous comprenez? Elle parle comme Nouri, baba, baba, chagara, baya, baba, baba. Elle veut distraire, tu vois. Tu vas partir et la libérer dans le nom de Jésus. Ne t'inquiète, elles seront délivrées, d'accord? Ça, c'est pas une question de tu peux faire quelque chose dans ça.
Tu peux même pas faire, donc t'asseoir. Laisse-moi gérer la chose. Amen. Lui-même est dépassé, tu vois, ouais. Il est dépassé, il y a des gens qui sont à terre, qui sont possédés. Il pense qu'il peut aider, il ne peut pas. C'est une question d'esprit. Amen. Amen. Voilà, on est maintenant dans un domaine spirituel où même tu viens, les démons peuvent rentrer en toi. Amen. Voilà, donc laisse-moi gérer ça, t'en prie. Viens nettoyer ça propre, tu vas récupérer. Amen. C'est pas une question de dire non, est-ce que je peux vous aider? Non, tu peux pas nous aider là. Tu peux même pas. Ouais, je vois le petit, ça l'intéresse qu'il peut nous venir en aide. Tu peux pas. C'est ce terrain où on est là. Tu peux pas. Si tu t'amuses, ils vont te posséder. Toi-même, on va t'envoyer des petits jours de délivrance pour chasser tes démons. Voilà. Tu vas la libérer au nom de Jésus. Mon souhait, c'est que chacun d'entre vous, que chaque personne, que chaque responsable, que chaque fidèle de cette église soit capable de chasser un démon. Dis amen. Amen. On dit amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu le peux. Tu peux. Amen. Dis à quelqu'un, tu peux. Tu peux. Aimer la force spirituelle. Non, il peut. Aïe, aïe, tu peux. La sœur a dit à son frère, tu peux. Oui, il peut. C'est par la grâce qu'ils pouvons. Amen. C'est la grâce de Dieu. S'il croit en Jésus, qui marche selon la parole de Dieu, il recevra l'onction pour chasser les démons. Amen. Oui, 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 oui. C'est pour nous. C'est gratuit. Amen. Amen. C'est pour ça que quand vous convertissez, il y a des choses que vous devez abandonner. Et rangez vos vies. Marchez selon la parole de Dieu. Il vous donnera le pouvoir sur les esprits. Amen. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Voilà, dégage. Dégage. Dégage, dégage. Libère-la maintenant, dégage. Dégage. Libère-la. L'esprit qui est déjà marié à cette soeur, ça veut dire que si quelqu'un rentre dans sa vie, la personne aura des problèmes. C'est comme ça. Si une personne décide d'avoir de rentrer dans sa vie, c'est un problème que tu as créé. Parce que l'esprit va t'attaquer. L'esprit s'est dévoilé. Il y a déjà une alliance qui est déjà positionnée. Depuis dans le sein maternel, il y a déjà une alliance. Donc dès que tu rentres dans la vie de cette soeur, tu as tous les problèmes. C'est pour ça qu'il y a un moment des relations. Vous ne savez pas, vous aimez une femme, vous avez une fille, vous partez avec elle. L'esprit qui en est, ou derrière qui la possède, vous attaque. Ou bien l'esprit qui est dans sa vie vous attaque. Tous les problèmes vous arrivent. Tous les soucis. On vous chasse du travail. Vous n'avez plus de problème d'argent. Parce que vous avez fait une rencontre qu'il ne fallait pas. Une rencontre qu'il ne fallait pas. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. On m'a bien saisi. Ah oui. Parce que tu vas le regretter toute ta vie. Tu vas regretter ça. Tu étais bien, mais tu as rencontré un mauvais esprit. Pardon? Et pourquoi? Pourquoi? Vous ne voulez pas lui donner ses enfants? C'est ça? C'est ça? Vous avez caché ses enfants où? Vous avez caché ses enfants où? Lâchez-la. Voilà, vous la libérez maintenant. Vous la libérez maintenant. Vous partez maintenant. Hein? On n'a plus à discuter, n'est-ce pas? Vous sortez de sa vie dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Qu'est-ce que Dieu nous donne en échange? Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce que Dieu nous donne en échange? Tu es malade, moi je te mets quelque chose. C'est moi qui t'envoie dans sa vie. Ce qui est dedans, c'est l'enfer. Moi, je vais te donner quelque chose. Allez, toi, t'as bien dit quelque chose. Sors! Ça ne se dispute pas. D'accord? Ça ne se négocie pas. C'est dans le nom de Jésus. Tu pars! Hey! Je vais aller! Va, allez, va! Voilà, va! Allez, va! Allez, va! Sors! Va, allez! Sors! Va! Je t'envoie dans la Nazarie! Au nom de Jésus, elle est déclarée libérée ce soir. Amen. Soulevez-la, soulevez-la.
Regarde-moi, ma fille. Tu es délivrée. Salut-moi. Amen. C'est fini, elle est libérée. Est-ce qu'on peut clamer le Seigneur? Regarde. Intelligent. Ouais. Ah, je l'humiliais.
donné l'humidité. Elle a donné son fils. Je vais le tuer avec cette souffrance. Parce qu'elle est perdue à sa vie. Son fils, unique. Avec toute la famille, toute la maison est triste. Toute sa famille est triste. Elle se souffre. Souffre vraiment aussi cet enfant. Et moi, j'entre dans cette famille, je veux détruire. J'ai mis la jalousie, la division, la séparation, la haine. Personne ne se comprend. Les sœurs avec les frères. Chaud des morts! Et chaud des morts de l'Angola! De l'Angola! Qu'est-ce que tu as capté dans sa vie? La vie sentimentale! Tout l'homme qui vient les voir! Ouais. Moi j'ai couché avec lui comme mari de lui! C'est ça? Oui! Donc c'est ça, elle est sa femme! C'est par là que j'entrais pour avoir la vie de son fils! D'accord! J'ai commencé à coucher avec lui! Mari de lui! Et je lui fais souffrir parce que c'est moi qui je couche avec lui. Ils ne vont pas voir les hommes. Les hommes vont s'accrocher. Les bons hommes. Les chasses. Oui. Comment tu fais? Moi, je mets la haine. La haine. À l'intérieur de cet homme. Je mets les mascaras comme les singadji. Oui, on les voit comme c'est un statue. Lâche-la. Je ne veux pas qu'elle fasse l'offre à DJ. Je ne veux pas, je vais chasser. Sors de sa vie. Ça va. Non. Elle était dans une église dans ton service. Thank you.
va quitter sa vie. Il va quitter sa vie. Il va la libérer. Au nom de Jésus. Yeah.
attendez là, c'est comme un esprit de la sorcellerie. J'attendais ce que je veux faire. Son ventre, va libérer son ventre. Voilà. Va me vomir ça. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Quitte son ventre. Va maintenant me jouer. Pang, pang, si, son ventre. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Tu y vas maintenant. Au nom de Jésus. Reçois. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. La puissance. La puissance. Thank you.
devant, les oreilles derrière. Amenez-la derrière, pas pour ce renseignement. Amenez-la derrière. Amenez-la derrière, tout seul. Amenez-la derrière. Parce que tu es satanique. Je ne t'aime pas parce que toi tu es fort. Ah bon? Tu es fort. Tu es en genou. Tu me brûles. Tu es en genou. Pas de toi. Tu es en genou. Je n'aime pas de toi. Coloré. Allez. Lâche-la au nom de Jésus. Voilà. La partie maintenant. Tu viens là. Je ne laisse pas. Sors. Je ne laisse pas. Voilà, va-t'en. Je compte à trois et tu pars. Je ne laisse pas. Un.
voyez la derrière là-bas. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?